Je suis d'autant plus d'accord avec moi que c'est pour ça que je viens. Oui. C'est pour ça que je dis que moi, voilà, ces gens-là, je vais les renvoyer chez eux. Non. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Non, l'histoire, monsieur. Je m'excuse. Vous pouvez me lasser des mots. Non, non, vous avez déjà beaucoup parlé, monsieur. Ces gens-là, ils sont des Français. Vous pouvez... On les cherche une alternative logique, un centre de soins avec des psychologues, avec des médecins. Mais les jeter ailleurs ou les jeter, c'est pas la solution. Par ailleurs, il y a des gens, des toxicomanes. Les uns sont étrangers, il faut les renvoyer. Les autres sont français, il faut les soigner. Voilà. Qui consomme le crack, c'est souvent une maladie, un accident qui arrive dans la vie. Et Éric Zemmour, qu'est-ce que vous dites à cette dame? Vous dites, je vous renvoie chez vous? Il faut vous soigner, madame. Vous savez... Il faut d'abord vous soigner. Moi, ces gens-là, je vais les renvoyer chez eux. Non. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. La dame sera en manque, tout à coup. Mais il faut la soigner. Moi, ces gens-là, je vais les renvoyer chez eux. Non. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Je m'excuse. Il y a des hôpitaux pour cela. Il y a des services de traitement. Vous savez que ce qu'on me donne pour me soigner, ça me met deux fois plus en manque. Vous savez, madame, je n'ai pas de solution miracle. On me donne une ce que je dis, c'est qu'il faut vous soigner et il faut régler cette question. Par ailleurs, il y a des gens, des toxicomanes. Les uns sont étrangers, il faut les renvoyer. Les autres sont français, il faut les soigner. Donc il faut vous soigner. On vous aidera à vous soigner. Par ailleurs, il y a des gens, des toxicomanes. Les uns sont étrangers, il faut les renvoyer.